Une classe remplie non pas d'élèves, mais de professeurs. Ils sont une vingtaine à s'être regroupés autour d'un même projet, Télémac. Le principe est simple, des établissements de Seine-Maritime ont été sélectionnés pour travailler autour d'une émission. Fiction, dessin animé ou encore documentaire, les professeurs avaient le choix des armes. L'objectif, faire découvrir aux élèves des programmes télévisés souvent ignorés. Ce que nous recherchons, c'est que les élèves puissent en permanence, regardant ces images, s'interroger sur la manière dont elles ont été réalisées. Eh bien, ces images, ils ne pourront plus les regarder seulement comme un spectacle. Et c'est ça le but de l'opération. Cette année, ce sont 4 documentaires qui ont été choisis par les professeurs. Le collège de Côtebec-en-Caux a choisi le film de Philippe Baron, Pas à pas. Une bande blanche, une bande rouge, c'est un GR. Un chemin de grande randonnée ou de pèlerinage? Ici, on se pose forcément la question. Moi, je préférais le documentaire, oui. Parce que c'est un domaine que les enfants ne regardent pas. Hein. Les fictions, ils regardent. Et ce qui n'est pas fiction, ben, ils regardent plein d'autres choses. Mais le documentaire, c'est un outil qu'il faut qu'ils maîtrisent. Après distribution des scénarii, les professeurs ont désormais toutes les cartes en main pour sensibiliser les élèves.